Bonjour, en cette rentrée littéraire d'hiver, j'aurais pu vous parler du nouveau Mary Angel, La Vengeance m'appartient, le retour en fin de compte de cette grande autrice chez Gallimard, événement de cette rentrée. J'aurais également pu vous parler du Andrei Makin avec l'ami arménien, c'est-à-dire le plus russe de nos auteurs français, qui revient sur un épisode fondateur de son adolescence et donc de toute sa carrière. J'aurais pu également vous parler de la publication du nouveau Lionel Duroy, L'homme qui tremble, après s'être intéressé à sa famille, à un autoportrait ultra sensible de cet auteur que nous aimons beaucoup. J'aurais pu aussi vous parler de cette petite pépite, en fin de compte, d'humour de Jean-Marie R, Le bonheur est au fond du couloir à gauche. Et pour finir, j'aurais pu aussi vous parler du Jasmina Reza, Cherge, qui est juste un coup de cœur unanime dans la librairie. Et ben, j'ai choisi de ne pas vous parler de tous ces livres pour garder un tout petit peu de place pour ce premier roman publié au Tripode, Le démon de la colline aux loups, de Dimitri Rouchon-Bory. Ce livre est une claque, c'est le livre pour nous le plus marquant de cette rentrée, marquant pour une histoire qui nous a profondément touchés, profondément remués, marquant pour une écriture qui est juste génialissime, un premier roman d'une grande maîtrise, et enfin une claque parce que ce petit éditeur qui ne publie en fin de compte au final que des pépites a encore frappé fort en cette rentrée et je vous conseille vivement la lecture donc du Démon de la colline aux loups aux éditions du Tripode.